Marseille doit gagner pour ne pas couler, mais en face, il y a Monaco, la meilleure attaque du championnat. Et dès la deuxième minute, Gravelaine fait lever tout le Vélodrome. Un premier but qui cueille à froid Monaco grâce au pied gauche de Xavier Gravelaine. Et Marseille devient irrésistible, Gravelaine intenable, un ballon en retrait pour Durand qui frappe hors de portée de l'ex-gardien de Marseille, Barthez. On joue alors la 13e minute et au bout d'une demi-heure, coup franc de Pedros, une reprise de Roy superbe en coin. Deuxième but de l'ancien Lyonnais Éric Roy. Équilibre parfait sur cette frappe. Barthez, pourtant bien présent, relâche le ballon. 3-0 à la mi-temps et en deuxième période, Monaco, plus conquérant, inscrira un pénalty grâce à Anderson. 3-1 score final, un match âpre, quelques échauffourées, quelques coups de poing bien visibles que M. Domas n'a pas pu toujours contrôler.